Good morning, allez, Eden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Nissim Ben Aouda, Sarah Batranarel, Shlomo Ben Esther, ainsi que l'Irfouat, Elio Machlouf Betrana, Ariakiva Ben Shachar, Raphaël Zvouloun Ben Chayamalia, Avraham, Uri Ben Reout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider dans la chaîne d'études de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avot, Perikvav, Mishnah Yud. Chamisha Kinyanim, Kanalo Akadosh Baruchu Beolamo, Ve Elohen. Torah Kinyan Echad. Shamaim va'aretz kinyan echad, Avraham kinyan echad, Israël kinyan echad, Bet Hamikdash kinyan echad. Torah kinyan echad minayin dirtiv Hashem kanani reshit darko, kodem mif'alav me'az. Shamaim va'aretz kinyan echad minayin dirtiv ko amar Hashem, Hashemim kisi va'aretz adom raglai, Eize bayit asher tivnuli ve'eze makom menuchati, ve'omer marabu ma'asecha Hashem kulam v'chokhma asita, ma'le aretz kinyan echad. Avraham kinyan echad minayin, dirtiv vayvarechehu vayomar baruch Avram le'el elyon, kone shamayim va'aretz. Israël kinyan echad minayin, dirtiv ad yavor amecha Hashem, ad yavor amzu kanita, ve'omer likdoshim asher ba'aretz hema, ve'adirei kol chefzibam. Bet ha'mikdash kinyan echad minayin, dirtiv mikdash Hashem konenu yadecha, ve'omer vayviyem el gevul kodsho, Ar ze kanta yemino. Mishnah relativement flou, difficile à comprendre quelque part. On va déjà traduire la toute première partie d'abord, comme ça on va mieux poser la problématique et apporter des solutions Bezrat Hashem. Chamisha kinyanim. Un kinyan, c'est lorsqu'on acquiert quelque chose. Donc cinq biens qu'on acquiert. Chamisha kinyanim kanalo akadosh baruch hu beolamo. Cinq biens akadosh baruch hu a acquis dans son monde. Ve'elouen, et les voici, Torah kinyan echad, la Torah est un premier kinyan, une première bien acquis par Hashem. Shamaim va'aretz kinyan echad, le ciel et la terre, c'est encore un autre bien acquis, donc c'est le deuxième. Avraham kinyan echad, Avraham Avinu est lui-même appelé un kinyan, comme après la Mishnah va rapporter des psukim pour prouver chaque chose. Donc Avraham c'est en soi-même aussi un kinyan, c'est un bien qu'Hashem a acquis sur terre. Israël kinyan echad, le peuple d'Israël entièrement, est lui aussi un kinyan, et Bet Hamikdash kinyan echad. Et le Bet Hamikdash lui-même est aussi considéré comme un kinyan. La question est de savoir deux choses. Qu'est-ce que ça signifie que ce sont des biens qu'Hachem a acquis? C'est la grande question à répondre, avec aussi une remarque. C'est quoi cette manière de compter? Si je te dis 5 biens, il fallait que je te dise la Torah c'est 1, Shamaim Vares kinyan sheni, un deuxième. Et après Avraham, c'est un troisième. Chaque fois, tu me dis ça, c'est un, et ça, c'est un, et ça, c'est un. C'est un peu lourd et bizarre. Et où ça nous mène? Toute la suite de la Mishnah, juste, va consister à rapporter des psukim où on remarque que ces cinq choses-là sont appelées par les psukim des kinyanim, des biens acquis par Hachem. Avec un grave problème pour le pasuk d'Avraham Avinu, on l'expliquera quand on y arrivera. Mais tout d'abord, on va essayer d'être assez court, expliquer le principe. Dire que ce sont des biens acquis par Hachem, ça signifie que, par là, au même titre que, si j'ai toute ma fortune, je vais toute la dépenser pour acheter une chose, c'est que cette chose-là, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Par là, je veux tout exprimer mon être, je veux m'identifier à elle, je veux la voir, la posséder, la chérir, la mettre contre moi, c'est ça ce que ça signifie, que ce sont des kinyanim. Ça signifie qu'Hachem, tout simplement, il a créé un monde avec un but bien précis. Il y a, certes, plein de fourmis, de mouches, de cafards, de chats, de chiens, d'animaux, il y a des tas d'herbes, des fleurs différentes. Mais tout ça, c'est secondaire par rapport à ce qui, aux éléments importants, qui consistent à que par eux, Hachem voit son monde réaliser son programme divin. Et ça, ça tourne autour de cinq choses, qui sont la Torah, le ciel et la terre, et Avraham, Israël, et le Bet Hamikdash, puisque ces cinq choses-là aussi tournent tous autour du même principe, c'est pour ça que la Mishnah les a nommés 1-1-1-1, que chacun c'est encore un, et encore le même un qui s'exprime pour aller encore plus loin. D'accord? Donc c'est là les cinq choses qu'Hachem, que par là se réalise le programme divin, qui est quelque chose de très chéri aux yeux d'Hachem. Donc de ce fait, la Mishnah me dit, la Torah tout d'abord, c'est le... On n'a qu'à déjà
passer à la suite de la Mishnah et expliquer les versets. Et après, on reviendra peut-être sur la vue globale de la Mishnah. Torah Kinyan Echad, la Torah est un premier, donc bien chéri par Hachem. C'est comme ça que je préfère les traduire. Plutôt que de dire c'est un bien acquis, c'est une manière d'exprimer un bien chéri par Hachem. La Torah est un bien chéri par Hachem. Dirtiv Hachem Kanani Reshit Darko, Kedem Mif'alav Be'az. Comme un pasouk de Michelet dit, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, le Périkret de Michelet, c'est le Mahamar à Torah, c'est la Torah elle-même qui parle. Et qui nous raconte Hachem m'a acquis. Il y en a qui traduisent au nom de Ken aussi, un nid. Hachem, il a fait de moi que moi je suis le nid du monde entier. C'est le même principe. La Shon connaît, Kinyan, Ken, Reshit Darko. Au tout début, à la tête de son chemin, du programme d'Hachem qu'il a fait, Kedem Mif Alav Me'az, avant même qu'il commence à créer quoi que ce soit sur Terre. C'est-à-dire, ça touche à des notions très profondes. La Chochma d'Hachem, elle est impalpable, elle est immense, infinie, on ne réussit même pas à la comprendre. Malgré tout, Hachem, il a une notion kabbalistique un peu profonde, mais en tout cas, Hachem, il a concrètement donné un ordre à sa pensée, à partir duquel il va pouvoir dévoiler sa majesté sur terre, à partir duquel l'homme va pouvoir entrer en contact avec Hachem, le comprendre, qui vient, même si on ne comprend rien, c'est tellement immense, mais ça prend une certaine allure, c'est ce qu'on appelle les 10 sphirot. Et alors il faut savoir que le fait même qu'Hachem a voulu créer un programme d'Hachem, la première pensée initiale, c'est quelque part, c'est la Torah, et la fête sortie, elle est émanée de sa chorma Eliona, qui est de sa sagesse qui est immense. Il y a la Torah concrètement telle qu'on la connaît, telle qu'elle se présente, elle a des profondeurs par elle, c'est par elle qu'on peut comprendre un brin d'Hachem. Et le pasouk, donc maintenant la Torah elle-même vient de dire que sache que moi j'étais la pensée d'Hachem. Quand Hachem il a voulu créer le monde, ça signifie qu'il a déjà concrétisé le fait qu'il y ait qui est moi-même la Torah. Et après, il s'est calibré et Alma. Après, Hachem, il a regardé ce qu'il y avait dans la Torah, il a construit le monde. Le monde, la Torah, c'est le plan du monde, en fait. D'accord ? Donc, on remarque que, bien sûr, la Torah, c'est là tout le programme divin d'Hachem, tout ce qui va ensuite être créé, va tourner que autour de la Torah pour pouvoir réaliser l'accomplissement de la Torah. De ce fait. Ensuite, il y a eu Shamaim Va'aretz Kinyan Echad. Le monde lui-même, ensuite, ça a été là, après le plan, maintenant, on passe à la réalisation du projet, on commence à construire ce monde pour pouvoir y mettre l'homme. Donc le monde entièrement, il est entièrement prévu pour la Torah, selon le même principe, pour le programme d'Hachem. Entièrement prévu pour la Torah, ça signifie qu'il y a dedans tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir et réaliser la Torah. Tout a été mis uniquement dans ce but-là précisément. D'accord ? Chaque chose, elle est censée contribuer au dévoilement d'Hachem. C'est ça ce que signifie que Shamaim Va'aretz Kinyan Echad. À partir du moment où l'homme fonctionne bien, alors le ciel et la terre entièrement fonctionnent bien, et chaque chose prend sa place pour dévoiler l'honneur d'Hachem. Ensuite, donc ça c'est le principe, Shabim Vares. Ensuite, et un deuxième verset encore une fois, Dirtiv, non, je sautais, qu'est-ce qui se passe? Ah ici, Shabim Vares Kinyan Echad, ouais, je n'avais pas traduit le pasouk, Shabim Vares Kinyan Echad, le ciel et la terre sont un kinyan, Dirtiv, comme nous dit le pasouk, Koamar Hachem, ainsi à dire Hachem, Shamaim Kis'i, le ciel est mon trône, Veha'aretz Hadom Raglai, et la terre est là où je repose mes pieds. D'accord ? Donc Hachem, qui viachol dans cette métaphore du Navi, on finit d'abord le passage qui se dira, Ezebaout Hachertivnou, Ezebaout Hachertivnouni, Ezebaout Hachertivnouni, d'ailleurs c'est le quand il y a Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, je crois, c'est l'Aftara qu'on dit Hachamim Kissi, Hachamim Kissi, Veretz Hadom Raglai. Et donc, Eizébaït Asher Tivnouli, quelle maison vous pourrez me créer, vous pourrez me construire, Veizemakom Menuchati, où je pourrais moi-même me poser, étant donné que le monde entier, c'est mon monde à moi. En tout cas, le pasouk, il exprime que le trône d'Hachem, le monde qui a été fixé justement, qui a été créé, où le trône représente le fait qu'Hachem juge le monde, Chofet, comme le roi qui s'assoit sur son kissé à Kavod, à partir duquel il va juger son peuple. Alors Hachem aussi s'assoit sur le ciel et laisse ses pieds descendre où il aide les gens justement à se tenir devant lui et à les juger. Donc on remarque le même principe, Hachem a prévu un programme dans le monde, c'est la Torah, il a créé le ciel et la terre maintenant où il siège dessus pour pouvoir juger les hommes
et voir qu'est-ce qu'ils ont accompli. Et un autre pasouk encore qui continue, Ve'omer, Marabou, Masech, Hashem, Kulam, Mechochma, Sita, Malea, Ares, Kenanecha. Qu'ils sont grands, tes actions, Hashem. Kulam, Mechochma, Sita, tu les as fait toutes avec sagesse, chaque chose à sa place précisément pour pouvoir contribuer au programme d'Hashem dans ce monde. Malea, Ares, Kenanecha. Le monde entier, l'univers entier est rempli de tes kinyanim. D'accord? Vous allez me dire, dans ce cas-là, tout est le kinyan d'Hashem. C'est vrai, mais avec un second degré dans la mesure où ça contribue pour réaliser le programme d'Hachem. Avraham, maintenant, on va passer maintenant, une fois qu'on a créé, on a le programme, le plan, on a le monde maintenant. Maintenant, on n'y est pas encore arrivé à la finalité, au programme concrètement qui se fait réaliser. Par qui ? Avraham, qui n'en est pas. Avraham a été le premier homme qui a été modé à Hachem, qui a reconnu la grandeur d'Hachem, qui a diffusé l'honneur d'Hachem sur terre. Donc Avraham lui-même a été appelé un Kinyan, un bien chéri, étant donné que c'est lui qui a, Hachem l'a pris, l'a désigné maintenant, qui a parlé d'Avraham Avinu, c'était le premier qui a concrétisé le programme, et depuis Adam Rishon Noach, et jusqu'à Avraham Avinu, il y avait une certaine transmission qui se faisait, mais le monde ne voulait pas accepter de dévoiler l'honneur d'Hachem sur terre, de faire connaître la royauté d'Hachem sur terre, c'est Avraham le premier qui nous le fait. Et donc, de ce fait, le passage nous dit, comme le passage nous dit, Vaivarechehu Vayomar, c'est dit quand Avraham est revenu de la guerre contre des 4 Melachim, contre les 5, alors il est revenu là-bas, il y a eu Malkitzedek, Melach Shalem, qui est sorti à sa rencontre, et il l'a apporté, et il est venu à sa rencontre, et il l'a béni, il lui dit Baruch Avraham El Elyon, qu'il soit béni Avraham en l'honneur du Dieu suprême, qui acquiert, qui possède, qui a créé le ciel et qui possède le ciel et la terre. Il y a un problème maintenant dans ce pasouk, dans la mesure où celui qui possède le ciel et la terre, c'est pas Avraham, c'est Hachem. Donc en fait, dans ce pasouk, il n'y a pas marqué qu'Avraham est lui-même un bien possédé par Hachem. Il y a marqué que le ciel et la terre sont un bien possédé par Hachem. À cause de cette question, il y a le Gaon de Vilna. Et d'ailleurs, Rashi lui-même, dans son commentateur, qui nous dit que non, dans la Mishnah, il faut dire qu'il y a 4 qui n'animent pas 5, et supprimer ce pasouk d'Abraham. Il y a maintenant plusieurs manières d'interpréter ça. Il y a essentiellement le Midrash Shmuel, qui a dit quelque chose de très joli. Ça rentre super bien dans le pasouk. Qu'en fait, non, le pasouk, quand il vient de nous dire Kodesh Hamayim Varetz, qui possède le ciel et la terre, c'était pas pour vanter Hachem qui possède le ciel et la terre. Quel rapport avec ce que Malkitzedek était parti dire à Abraham? Il n'y avait aucun sens. Le but, en fait, de Malkitzedek, c'était de nous dire que tu sois béni, Avraham, en l'honneur pour Hachem. Non, qu'il soit béni, Avraham, qui appartient à Hachem, comme le ciel, qui est lui, que Hachem lui-même possède le ciel et la terre. Comme Hachem, il possède le ciel et la terre, ainsi il possède Avraham. C'est-à-dire, comme Hachem chérit le ciel et la terre parce qu'il a un programme d'Hachem à dévoiler dans cet univers, alors ainsi, Hachem chérit Avraham parce que Avraham est le premier être qui contribue au dévoilement de l'honneur d'Hachem sur terre. D'accord ? Israël, Kenechad, maintenant, après Avraham Avinu, c'était la tête. Mais c'est sympathique d'avoir un très grand tzédik. Mais s'il n'y a pas de peuple qui le suit, où ça nous mène tout ça ? Le programme, il ne se fait pas réaliser. Hachem est un programme mondial, il n'a pas un programme personnel avec Avraham Avinu. D'Avraham Avinu, ça démarre. Par le peuple d'Israël, ça continue. Donc Israël, Kenechad. Le peuple d'Israël est lui-même aussi un bien chéri par Hachem, étant donné que Israël contribue au dévoilement d'Hachem, dirtiv, comme nous dit le pasouk qu'on lit dans la Shira, ad yavor amecha Hashem, ad yavor amzuk anita, le pasouk qui nous dit qu'Hachem il accompagne les bénis Israël, il fait fondre tous les peuples qui vivaient en Canaan, et ad yavor amecha Hashem, ad yavor amzuk anita, jusqu'à que ce peuple entre en Eretz Israël, jusqu'à qu'il passe à Mecha Hashem, ton peuple Hashem, Adi Avor, jusqu'à qu'il passe à Mzoukanita, ce peuple-là que tu as acquis, que tu as chéri, que tu as investi, changé tes règles du monde pour pouvoir le sauver, le sortir d'Égypte et le prendre, donc tu l'as quelque part acquis. Et une deuxième preuve encore, Vomer, l'Igloshim, Asher, Ba'aretz, Hemma, Ve'adire, Kol, Cheftibam. C'est assez difficile à comprendre pourquoi il a fallu rapporter ce nouveau pasouk et qu'est-ce que le pasouk veut dire, étant donné qu'on a rapporté un super pasouk de Shemot
de la Shira, où il y a marqué que le Ham Israël, il est acheté, acquis à Hachem. Et à ce sens, j'ai vu le Tiferet Israël qui dit plusieurs pirouchim, d'accord, mais le Tiferet Israël a dit quelque chose de sympa. Il a dit que Hachem, il a acquis ce peuple. Mais qui a dit qu'Hachem l'aime? Ça, il y a marqué qu'il a acquis, peut-être qu'il a acquis comme il a acquis, comme il a acquis un esclave. Sur ce sens, on rapporte que Hachem, dans ce passouk du Tehilim, il aime les tzadikim, gdoshim, saints, les hommes saints, qui se sont sanctifiés durant toute leur vie, Hachem Baresema, qui sont même décédés, qui sont enterrés sur terre, Véadirei, et ces gens très forts, Kol Cheftibam, qu'il Hachem, il les aime tellement. D'accord? Qu'Hachem, ouais. C'est une première proposition. Il y a une deuxième proposition avec le Midrash Shmuel qui explique que ça vient expliquer, en fait, ça vient mettre en évidence que même lorsque le Ham Israël n'accomplit pas malheureusement comme il faut la volonté d'Hachem, Hachem continue à les aimer, même pour ceux qui ont accompli le Retzan Hachem et qui sont encore enterrés sur terre et qui attendent que leurs fruits, nous-mêmes, qui sont encore dans ce monde, continuent à perpétuer sa Torah. Ok ? Bet Amigdash qui vient d'Echad. Le Bet Amigdash est encore un autre bien chéri d'Hachem, Minaïnou, on l'apprend, dirent-ils, Migdash, Hachem, Konenu Yadecha. Comme le passage nous dit, c'est par là où, le Beth Amigdash, en passant par là où Hachem entre en contact avec le peuple, avec l'homme Israël. C'est par là qu'il se dévoile tout le principe, dans les parashot qu'on lit en ce moment, tout le principe du Mishkan et du Beth Amigdash, c'est au contraire pour que l'homme se purifie, d'abord par le Mizbach HaChitzon, il purifie ses fautes. Quand il est encore dans la cour du Mishkan, après commençant à rentrer dans le Mishkan, là-bas il y a la menorah qui représente la Chochma de la Torah, il y a la Ktoret qui représente l'odeur, la bonne odeur, le lien profond de l'âme avec Hachem, jusqu'à qu'après dans le Kodesh HaKodeshim, c'est le dévoilement d'Hachem qui parle à nous. Ça représente l'homme qui se rapproche à Hachem. Donc c'est pour ça que le Bet Amigdash est Kinyan Echad, et lui aussi un bien chéri par Hachem, parce que par là, concrètement, il concrétise. Il finit de concrétiser son programme divin en se dévoilant à l'homme et en lui instruisant et en lui dévoilant les profondeurs de la Torah. Et donc, Migdash Hashem, Konenu Yadecha, ton Migdash Hashem, ton Beta Migdash Hashem, Konenu Yadecha, que tu as toi-même fait de tes propres mains. D'accord? Donc, c'est ton programme, c'est ton bien chéri, c'est toi qui l'as chéri, c'est toi qui l'as créé. Véomer, et aussi, le Passouk dit encore, Vaiviem El Gevul Kodesho, Harze Kanta Yemino. Il les a amenés, Hachem a amené le peuple d'Israël, El Gevul Kodesho, dans ses frontières saintes, de la terre sainte, de Harze Kanta Yemino, cette montagne-là, le montagne Har Tzion, Kanta Yemino, que sa main droite a acquis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.